plus noir comme ça, c'est chez moi. C'est le sable qui est noir. Ah ouais. Ah, ils font carrément. Ah, c'est ça la première pierre. Allez, c'est trop bien, c'est parfait. Bon, là, ça y est, c'est bon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous honorez de votre présence et nous en sommes très fiers. Notre projet, c'est un projet qui a été élaboré par les bénévoles de l'association en contact avec tout le réseau du logement social du département. Et en répondant, nous avons essayé de répondre en notre humble mesure, aux besoins du logement social du territoire. Voilà. En complément, bien sûr, des autres acteurs présents. C'est ici que va s'élever dans quelques temps un projet immobilier de 35 logements constitué d'une résidence intergénérationnelle de 15 logements et d'une pension de famille résidence accueil de 20 logements. Voilà. Notre projet, c'est d'accueillir des personnes en difficulté, d'être là à leur côté en tant que bénévoles et salariés de l'association pour leur redonner un peu d'espoir et les retrouver dans le monde social, dans la ville, dans la citoyenneté de notre vie. C'est un temps de reconnaissance. Et reconnaître, c'est toujours parvenir à faire naître. Il a fallu du temps pour donner naissance à cette opération et sans le concours de l'État. C'est bien, monsieur le préfet, que vous soyez là. Sans le concours aussi, monsieur le maire, qui avait donné, bien sûr, signé ce permis de construire, mais pas seulement. Vous êtes beaucoup investi pour que cette opération puisse être réalisée. C'est aussi, bien sûr, le département, c'est les services d'aménagement de la direction départementale, c'est aussi en fait un soutien très très fort encore des services de l'État avec Action Logement, avec la Caisse des dépôts et consignations, avec les financements très sociaux. Puis c'est bien sûr aussi vous, bénévoles, vous salariés en fait d'Habitat Malice Pyrénées-Adour, de l'antenne ici de Bigorre. C'est aussi vous qui... Vous êtes aussi parfois des anonymes, mais pour nous, vous avez une importance tout à fait considérable. Vous qui acceptez en fait d'investir de l'épargne, votre épargne, pour que cette épargne finalement permette d'offrir des opérations à ceux qui n'ont pas de toit ou qui sont en difficulté pour le trouver. Donc c'est d'abord cette maison commune, parce qu'il s'agit bien en fait de cette maison commune, vous participez à rendre possible un projet. Vous savez, en vous disant ce possible, je retiens ces mots de Lamartine, il dit que le réel est étroit, mais le possible est immense. Et à ce possible, précisément, vous vous êtes tous attachés. Et voici dans cette heure, il va y avoir cette pause symbolique de première paire. Elle est symbolique, mais... C'est finalement la symbolique aussi qui ouvre des ouvertures. C'est cette symbolique qui suscite aussi ces nouveaux possibles. C'est cette symbolique qui enrichit en fait une ville, qui enrichit en fait une communauté humaine pour ne pas laisser en fait ceux qui sont en situation de fragilité simplement dans une attente, et parfois une attente très longue pour trouver un toit. Je sais qu'il a fallu beaucoup de patience. Et peut-être d'ailleurs que cette patience, elle est des deux côtés, peut-être aussi que vous, les responsables de l'État, vous, les responsables aussi, en fait, de la ville, en disant, mais quand est-ce que cette opération va sortir? Il faut du temps. Comme je viens de Lyon, vous me permettrez aussi cette bonne sagesse lyonnaise. Il faut savoir donner du temps au temps. Et c'est important qu'on parle de cette pension de famille comme étant, car vous l'avez appelé la cordée.
La cordée, c'est en fait pour aller vers des sommets. C'est pour aller, en tout cas, pour aller plus loin. Et une cordée, elle marche en fait aussi au pas des plus fragiles. Le pas d'une cordée, c'est celui en fait qui s'associe à ceux qui, sans cette cordée, ne pourraient pas monter. Nous voyons bien ici combien finalement vous donnez un souffle, j'ose dire, spirituel, mais au sens où Hegel dit précisément que le réel est spirituel. Eh bien, ce réel, voici que vous nous l'offrez, vous le rendez possible. Permettez-moi simplement de vous dire merci. Eh bien, je vais vous dire, pour le maire de Tarbes, c'est un immense plaisir d'être ici ce matin, pour plusieurs raisons. D'abord, je vois le long cheminement de ce projet qui m'a été présenté il y a de longs mois maintenant, aboutir. Et aboutir parce qu'il y a là, vous venez de le dire madame, il y a la rencontre de bonne volonté au service d'une noble cause. Nous sommes dans une ville où le nombre de logements sociaux est important. On n'est pas en demande particulière. Mais l'offre qui est la vôtre est une offre originale. C'est une offre originale, monsieur le président, parce qu'elle permet de mobiliser d'abord ces personnes auxquelles je vais rendre hommage tout de suite et en premier, tous les bénévoles qui vous accompagnent dans vos projets. Et demain, le fonctionnement de la résidence et de la pension de famille, vont fonctionner grâce à l'engagement des bénévoles avec deux permanents qui vont les encadrer. C'est déjà une originalité. Deuxième satisfaction pour le maire de Tarbes, c'est de voir une friche qui était ici, là, une friche industrielle pour laquelle nous nous sommes battus avec mes adjoints Bruno Larroux, je sais bien. Nous n'avons pas, nous, pu trouver de solution satisfaisante. Vous l'avez trouvé. Enfin, motif de satisfaction aussi, c'est de voir la mobilisation de tous les acteurs autour de votre projet, autour de vous. L'État d'abord, monsieur le préfet, l'État intervient à hauteur de 521 000 euros. Action Logement, 314 000 euros. La région Occitanie, 86 000 euros plus 200 000 euros de l'EPF. Et le concours de l'EPF est également important. Puisque l'originalité, je vois Maître Châteauneuf là-bas, l'originalité a été une VFA avec l'intervention de l'EPF sur le terrain. Cela s'est concrétisé au mois de décembre 2022 en étude de Maître Châteauneuf. Et quelques mois après, on voit que tout de suite, eh bien, la démolition a commencé. L'agglomération, 108 000 euros, que j'ai l'honneur de présider. Le département des Hautes-Pyrénées, 70 000 euros. Et puis après, bien évidemment, les prêts d'action au logement, et la foncière, habitat et humanisme, 1 720 000 euros et 25 000 euros de mécénat. C'est donc une véritable mobilisation sur un projet d'intérêt général. Je vous remercie encore une fois de votre initiative. Je savais, quand nous nous sommes vus il y a quelque temps, que ce projet serait difficile à mettre en œuvre, parce que effectivement, il impliquait la conjonction, la mobilisation de toutes ces bonnes volontés, de toutes ces énergies, y compris financières. Le résultat aujourd'hui, c'est un projet magnifique. Donc vous l'avez dit, monsieur le président, les 15 logements, les 20 logements dans la pension de famille, tout cela va apporter des réponses originales à une population qui a du mal aujourd'hui à trouver d'autres solutions. Une population qui ne trouve même pas de solution dans les logements sociaux, dans l'offre de logements sociaux, des bailleurs sociaux. Et là, il y a des réponses originales qui vont permettre à ces personnes de vivre dans un cadre magnifique, quasiment en cœur de ville, à côté du palais des sports, pour aller au basket, s'ils aiment ça. Je veux dire, tout ça, sont des hommes et des femmes qui vont vivre, des jeunes, des moins jeunes, qui vont vivre une nouvelle vie, et une belle nouvelle vie, grâce à vous. Je vous remercie pour tout cela, et nous sommes heureux d'être vos partenaires. Je suis heureuse aux côtés de M. le maire, puisque j'ai la chance d'avoir les deux casquettes, celle de
la ville de Tarbes pour la solidarité depuis 2001 aux côtés de Gérard Trémège, et puis depuis 2015 avec mon binôme ici présent Gilles Crasbaille. Nous sommes très heureux parce que c'est notre canton sur notre ville, donc nous sommes doublement heureux. Ce projet, Monsieur le maire a insisté, Monsieur le Président et tous les bénévoles que j'ai rencontrés avant la manifestation, ce projet social, c'est un symbole fort pour nos populations, vous l'avez dit, qui sont en grande difficulté, et souvent des populations aussi qui ont un certain âge et qu'il ne faut pas laisser seules. Moi, je trouve ce projet hyper intéressant. Pension de famille, intergénérationnelle. C'est cet accompagnement social, il n'a pas de prix. C'est l'humain au quotidien que vous, les bénévoles, qui ne comptez pas de votre temps, vous accompagnez. Moi, en ce nom-là, moi, je voudrais vous dire un très, très grand merci. Et puis, sur cette ville et ce canton, ça va être encore une très, très belle réalisation. Je sais que M. Pellieu, comme M. Trémège, comme nous tous, nous y sommes très, très attachés. Et quand il fait bon vivre à l'intérieur, c'est encore mieux. Merci, merci et bravo. Il y a eu de très belles citations, mais je n'avais pas prévu de faire un discours littéraire. Je vais juste commencer par ce qui me vient à l'esprit, c'est d'abord tout n'est pas perdu. Voilà, on nous explique que tout va mal, tout est foutu, voilà, on n'arrivera à rien. Et en fait, je me rends compte que quand on se met tous ensemble, l'État, avec, j'ai bien conscience que parfois il y a peut-être des complexités à lever, les problèmes d'urbanisme, trouver les volontés, mobiliser les bénévoles, en fait, quand on se met tous ensemble, eh ben, tout n'est pas perdu. C'est le premier point. Puis sur tous ces projets-là, parfois on fait du logement social, mais on fait du bâtiment. Parfois on essaye de mettre des bénévoles, et puis on se rend compte qu'en fait, si on n'a pas l'un et l'autre, c'est un peu compliqué d'aider ce qui est écrit en bas là-bas, recréer du lien. En fait, recréer du lien, s'il suffisait de mettre des gens ou de construire des nouveaux bâtiments, ça se saurait. Et en fait, ce qui marche, c'est de mettre les deux, c'est-à-dire des gens et du bâtiment, et de pouvoir accompagner. Donc voilà, moi je pense que c'est un très beau projet. Je trouve que les choses avancent, et dans ces périodes où chaque euro est compté, c'est bien que si l'État met un peu plus d'un demi-million d'euros dans le projet, c'est donc bien qu'il a vu qu'il y avait quelque chose, et quelque chose de beau. Voilà, de beau, de bon, de grand. Vous avez cité beaucoup de monde, Monsieur le Président. Moi, je vais juste finir par une citation de MacArthur, mais enfin, je vais la travestir un peu, mais MacArthur disait qu'on cessait d'être jeune à partir du moment où on était rongé par le pessimisme et le cynisme. Je pense que ces deux risques, ils ne vous guettent pas. Et donc, je vous souhaite bon vent à tous les jeunes de cette association. Merci beaucoup.